apprendre à se connaître. Bienvenue dans cette série de vidéos, les astuces pour bien entreprendre, pour bien créer et développer son activité professionnelle. Je m'appelle Antoine Charlet, je suis coach, créateur intuitif et entrepreneur de cœur. Je t'invite à travers cette vidéo à te partager des astuces, des techniques pour développer ton business et en tout cas pour être aligné, vibré, pour oser être qui tu es. Donc c'est parti, go! Apprendre à bien se connaître, en tout cas apprendre à se connaître, c'est une des règles fondamentales pour vraiment oser diffuser, pour entreprendre en tout cas de manière plus efficace, plus pertinente. Moi-même, je le vois depuis que je fais du développement personnel, ça m'a aidé énormément dans mon cheminement perso et en même temps dans mon cheminement automatiquement professionnel. Et c'est clair que si aujourd'hui tu prends le temps, encore une fois, prends ton carnet, prends un carnet, un crayon, parce que dans cette vidéo, le but, c'est que tu te mettes en action, pas que tu sois uniquement en mode spectateur. En tout cas, si tu veux apprendre à te connaître, je vais te donner des petites astuces qui vont te faire gagner du temps. Alors, pour apprendre à te connaître, déjà, la base, c'est savoir quelles sont tes forces, quels sont tes talents naturels. Et ça, je t'invite vraiment à te poser cette question, à te prendre le temps, parce que ce n'est pas forcément facile ou évident, ou en tout cas, si tu n'as pas encore fait cette démarche d'apprendre à te connaître, note bien, ok, mes talents naturels, mes forces, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, tu peux même poser la question autour de toi en disant, ok, pour toi, quelles sont mes forces, quels sont mes talents naturels dans le quotidien? Qu'est-ce que je fais spontanément? Et comme ça, et ça fonctionne. D'ailleurs, en tout cas, j'ai du résultat. Donc, prends le temps d'écrire et de poser cette première étape. Voilà. Deuxième étape, qu'est-ce qui m'attire? Quelles sont mes attractions? Encore une fois, vers quoi j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai une passion? Est-ce que j'en ai plusieurs? Est-ce que les personnes que j'attire à moi ont un intérêt pour qui je suis, pour mes forces et mes talents? Et là, la même chose, prends le temps de bien écrire. Quels sont mes talents naturels? Quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui est perçu aussi par mon extérieur? D'ailleurs, je t'invite à demander, à poser la question autour de toi. Quelles sont mes forces? Quels sont mes talents naturels? Et tu verras ce qui va émerger pour toi. Troisième point, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton quotidien? Alors oui, il y a les choses qui t'attirent, ce vers quoi tu es attiré naturellement. Et il y a aussi cette notion de « waouh, quand je suis là, à cet endroit-là, ça vibre tellement fort, je me sens tellement à ma place. Est-ce que ça, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, parce que encore une fois, si tu n'as pas appris à te connaître et à observer tes sensations, à observer tes émotions, à observer tes ressentis, peut-être que là, en te posant cette question-là, tu vas peut-être te dire « waouh, mais en fait, je ne sais pas ». Ou peut-être à l'inverse, tu vas dire « oui, oui, si, je sais exactement ». Donc, prends le temps d'écrire. Qu'est-ce qui te fait vibrer là, à cet instant, tout de suite? Qu'est-ce qui t'anime dans ton quotidien ou même dans ton activité professionnelle? Parce que l'objectif aussi, c'est de développer ton activité professionnelle. Et donc, vois ce qui te fait vibrer, vois ce qui t'anime, note-le, prends le temps de l'écrire pour vraiment le clarifier. Et enfin, quatrième point, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce que tu fais? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis dans telle situation et aujourd'hui, j'ai envie de passer à l'action. Qu'est-ce qui me motive pour passer à l'action? Et ça aussi, prends le temps de l'écrire, mes motivations. Qu'est-ce qui me motive à créer, par exemple, un business dans tel domaine? Qu'est-ce qui me motive à me mettre en mouvement pour aller dans telle direction ou aller vers telle personne ou créer telle collaboration? Ça aussi, prends le temps de bien l'écrire parce que tu verras que dans toutes les vidéos que je vais te proposer, le but, c'est de clarifier au maximum. Lorsque j'éclaire, je peux justement maîtriser beaucoup plus facilement les choses, alors que lorsque j'ignore, tout ce que j'ignore le rend plus fort. Donc, c'est clair que si tu mets de la lumière, que tu mets de la conscience sur qui tu es, sur tes forces, sur tes talents naturels, sur ce qui te motive, eh ben, tu verras qu'automatiquement, tu vas avoir une route qui va se tracer beaucoup plus facilement devant toi. Parce que tant que tu ignores, c'est comme si tu pouvais partir dans tous les sens. Tu es dans le brouillard, tu es dans le flou. Et en fait, c'est ça qui se passe. En clarifiant, j'éclaircis, j'enlève le brouillard et je peux prendre enfin cette direction pour oser créer mon business ou en tout cas oser développer mon business dans telle ou telle direction.
À chaque fois que moi je le mets en place, ça m'aide tout le temps. Et les personnes, toutes les personnes que j'accompagne, lorsqu'ils clarifient, automatiquement, ça leur fait un bien fou. Ils se sentent mieux parce que c'est comme s'il y avait la tête dans le brouillard, clarifier l'esprit qui embrouille tout. Le fait de clarifier simplifie énormément. Donc, je t'invite à passer à l'action, à te poser toutes ces questions, à prendre le temps de bien écrire. Prends vraiment le temps, au minimum 5 à 10 minutes par question pour laisser émerger et monter tout ce qui vient. Voilà. Si à nouveau cette vidéo te parle, je t'invite à regarder peut-être celle d'avant puisque tu n'as peut-être pas encore vu celle qui précède. Et je t'invite aussi à suivre les suivantes. Je t'invite à liker, à partager, à diffuser à tes amis cette vidéo. Il y en a certainement que ça va aider. En tout cas, mets-moi aussi en commentaire les résultats qui émergent pour toi. Est-ce que cette vidéo t'aide ? C'est important de savoir pour moi si ça t'aide, si ça t'aide d'un grand service ou pas du tout. Voilà, donc dans tous les cas, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.